design est vraiment particulier. Ce qui est vraiment marrant, c'est que l'idée, c'est quand on partage une tablette de chocolat, on casse d'abord les premiers morceaux. C'est pour ça qu'ils sont plus petits. Et après, on termine en étant un peu égoïste et on prend en garde les plus gros morceaux pour soi. Fait front cassé, ouais. Et puis après, je vais passer dans ma machine pour l'affiner. Mm-hmm. On appelle ça le conchage, pour l'affiner et avoir un chocolat relativement fin. Ça fait 24 heures qu'il tourne. 24 heures, et maintenant tu vas l'étaler et je vais le travailler. Le travailler. On passe tous par la centrale d'achat qui est la charte. On va dire plutôt Et donc là, qu'est-ce que tu fais, Jérôme ? Alors là, je pré-cristallise le chocolat. Donc en fait, le beurre de cacao qui est compris dans le chocolat, en fait, a besoin d'avoir une forme cristalline pour durcir, pour avoir une belle brillance et un mocassant. Donc là, je refroidis le chocolat sur une table en marbre pour qu'il refroidisse relativement vite et former de bons cristaux. On dit que le chocolat c'est sensuel, travailler le chocolat c'est vraiment une question de sens aussi. C'est pas question de sens, c'est le toucher, la matière qui est vraiment sensuelle. Dans cette étape-là, tu as mis un thermomètre dans le chocolat qui a perdu une quinzaine de degrés, tu viens de le dire, après oui. Avoir été mis sur le marbre. Oui. Et tu dois le faire descendre à combien ? Celui-ci, je le fais descendre à 30 degrés, tandis que c'est un chocolat en bean to bar. Je tempérerai un tout petit peu plus froid. Et là, je vérifie juste sa température. Et donc, tu disais que les chocolats que tu fabriques ici, comme ce que tu es en train de faire là, oui. C'est uniquement pour tes tablettes. Uniquement pour mes tablettes, oui. Parce que pour l'instant, je commence les premiers balbutiements de partir de la fève pour aller jusqu'à la tablette. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de goûter un chocolat brut pour voir tout le travail qui est fait avec la torréfaction, avec le conchage, que dans des pralines où parfois le goût est un petit peu modifié avec de la crème, avec du beurre, quelques épices. Donc, le produit brut, c'est bien. Voilà, le brut, c'est bien. C'est ce que demande l'amateur, le vrai amateur de chocolat ? Oui, souvent, oui. J'ai vu plusieurs photos sur internet avec des gens qui faisaient des coupes. C'était un peu la saison de... C'est la mode, quoi. Oui, voilà, c'était plus un effet de mode. Et donc, du coup, je me suis dit, moi aussi, j'en veux un. C'est pas l'étoile de mer, c'est le poulpe, c'est le plus beau pas. Voilà. Et donc là, tu mets en tablette. Là, je mets en tablette. Le chocolat lui-même ne fait pas grossir. C'est comme plein de choses, ça ne fait pas grossir. C'est l'excès qui fait grossir. Le chocolat lui-même ne fait pas grossir. Surtout un chocolat noir comme ça avec juste. Nettement moins sucré que le Haut-Lait. 18% de sucre. Ouais, c'est pas grand-chose. Et donc celui-là qu'on voit là, c'est du 82%. C'est un 82%, origine Madagascar. Et voilà, avec le maestro.